peut-être pièce insidieuse, on est full air sur ce stream de Chanol, accompagné du coup d'un Helio qui est full tank ou qui est haut. Est-ce que c'est vraiment un... Non, c'est full tank. Hein. Ouais, c'est du tank. Hein. Ouais, c'est du tank. Comme il faut, c'est du tank, c'est du tank. Ah, non, et le FK mêlé, hein. FK mêlé, AP. C'est, oh, clairement, c'est clairement de la cage avec mais regarde le piège insidieux. Mais oui, on l'a. Et face à ça, du coup, un Xelor retrait classique. Le Yopter et les Nutrof qui est feu, je crois. Ouais. Ouais, je pense que c'est feu. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, let's go. Qui va réussir à mettre sa strat en place? Est-ce que ça va le faire, cette cage? Est-ce qu'on va le voir? Du coup, on est sur en fait un tour à 4 pièces insidieux, si je dis pas de bêtises. C'est la strat. Oh la dinguerie. Ça peut faire tellement mal avec en plus le biffé pulsif. A noter petit rattraperie sur Dofo pour son héliotrope. Magnifique. On a énormément de mobilité. Ah oui. 10 PM sur cet héliotrope. C'est servi sur un plateau d'argent. Est-ce que c'est bon pour toi, Shax? C'est servi directement. Hein. Pour moi, oui. Est-ce que ça va être bon pour Squad? Est-ce que ça va suffire? On va le voir, ça. On ne sait pas encore. Est-ce que ça va être bon pour Shippeu? Ça va être peut-être pas, du coup. Il va peut-être pas être content du résultat. Mais en tout cas, on va voir. On pourrait. En vrai, est-ce qu'on ne fuit pas avec l'héliotrope pour genre éviter un bon emprise tour 1? Non, on va dans la brume simplement. On a quand même des réserves en face, hein, évidemment. Ok. Est-ce que là, du coup, là, tu vas pas mettre ton meilleur duel, je veux dire, pas emprise duel, hein, sur les lios? Alors, on va voir ce que décide de faire Shippeu sur son Yopter. Yopter potence, comme on aime. C'est gros, les gars. Ouais. Ok, la colère de Yop, let's go. Ouah, ce match. On la voit rarement chargée ensuite, hein, mais bon, ça donne une petite pression supplémentaire, ça, c'est toujours ça qu'on aime. Ok, épée divine qui est lâchée aussi, donc on assume la cage. Hein. Là, on a une strat côté graine, on assume la cage, on sait qu'elle va arriver, on estime qu'on va pouvoir la tanker a priori. Allez, directement la maîtrise d'armes côté argente, on va pouvoir faire pas mal de dégâts. On joue évidemment Crocobur, hein, sur ce FK Aurore Pourpre. On va rentrer dans cette brume, on vient rejoindre son compère Chanol pour pouvoir prendre la zone rempart. Oh là, il va y avoir tellement de dégâts passifs, j'aurais dire, entre les pièges insidieux, entre le glyphe répu, entre la croco. Est-ce que ça arrive? Il y a une musette. Ouais, c'est le SRAM aussi, ouais. C'est vrai qu'il y a la musette. C'est vrai la musette arrive. C'est vrai qu'ils estiment que la musette suffit, en fait, et c'est possible. Hein. Une belle zone musette, là, de la part de Chip. C'est vrai que la musette est extrêmement forte, hein. Ah, je suis déçu d'un seul coup. Oh, j'adore ça! La petite boîte à outils sur son Xel. Et c'était du Xelret, hein, t'avais raison en fait, hein, tout à l'heure. Oui, bah c'était un peu attendu quand même, je pense. Ouais. En fait, le truc, c'est que là, on a un Xelor, un Helio, pardon, qui est vraiment full tank. Je pense pas qu'il y ait des dégâts du tout pour qu'il n'amusette après avoir co-op. Hein. Je pense pas non plus. On va mettre une petite bêche, histoire qu'elle gêne un petit peu quand même dans la zone. Après, les pièges insidieux. Comment ça marche? Est-ce que la musette, est-ce que ça passe au-dessus de la musette? J'ai un gros doute. Hein. Oh. Un gros doute parce que si c'est comme le glyphe répu, ça fait proc la musette. C'est pas du poison. Est-ce que c'est un poison ou pas justement? Pour moi, c'est pas un poison, c'est fausse commune sur le Xel. Je sais pas. C'est vraiment big ça. On va remettre un piège insidieux tranquillement. On peut pas venir bloquer avec ce comploteur. Est-ce qu'on a mis peut-être un répu quelque part pour qu'il puisse bloquer? Il y a un âge d'or sur le Xelor. Ouais, bon, ça va. Il est attaquable là, mais il va être gêné quand même par cette apesanteur. Ok, on a 16 PA à côté Shippeu. On rappelle qu'il y a également la boîte à outils, d'où l'état pacifiste. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Directement la momie. Bon, là, c'est une voiture. Hein, là, le Xelor, 14 PA, 12 PM. Logiquement, en tout cas, c'est l'unitrof qu'on va chercher à ramener, hein, vu l'initiative. On va pas, je pense pas qu'on va ramener le Xel, hein, c'est pas forcément celui qu'on veut avoir dans le. Oh, dans le moins 3 avec 143 d'esquive, chiche. Comment ça passe bien? Ah, et puis le sablier qui passe aussi, hein, sur le SRAM, du coup, avec la zone autour de la bêche. Et on a pas trouvé, du coup. Non, je suis enflammé. On a trouvé personne. Alors, est-ce qu'on ramène directement cet unitrof? Logiquement, on peut, parce que le FK aura le temps de le gravir avant qu'il joue. Ouais. Et vu qu'en fait, avoir mis l'âge d'or sur le Xelor au tour d'avant, c'est un peu dangereux parce que là même, là, il aura plus l'âge d'or lui-même, par exemple, en fait. Ok, la contraction. Il n'est pas encore entouré. La part de Dofo. Interruption. On va libé pour essayer de mettre le Yop le plus loin possible. On a 15 PA 7 PM quand même. Techniquement, on peut quand même rusher. Tu peux faire le choix d'essayer de défoncer l'Hélio, hein, parce qu'il sera toujours à portée dans le. Enfin, toujours.
souvent apporté dans le combat. Mais non, tu préfères quand même rush. On y va, hein. On va déferlement. Est-ce qu'on va essayer de trouver dans la brume? C'est compliqué, hein. Très très compliqué. Après, il y a eu la zone sablier quand même qui a trouvé le SRAM tout à l'heure qui a mis moins 2. On va réflexion pour déclencher le piège insidieux. C'est très intéressant en tout cas de bouger une étrophe, ça coûtera des PA. Par contre, les pièges qui est déclenché, ok, une menace en plus. Est-ce que ça gêne beaucoup? C'est dur à dire. Je sais pas trop. C'est dur à dire. Ça dépend de OSFK parce que ça se trouve, c'est juste une libé. Il y a les PM pour libé, remettre à la case d'avant plus. Ah, il n'a pas les PM. Ah, attention, argenté. Oh. Ouais, quoi? Non, non. La brosque qui est fail. Le premier misclick de la part d'Argenté. Attention, attention là-dessus, hein. Attention là-dessus, Argenté. Il est pas très taclé, les Unitrof, en vrai. On va mettre le Gravita. Ok, l'égide. Ok, il y a des choses. Le fuminant qui a été placé, hein, aussi de la part de... De la part d'Argenté. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu clean l'égide et tu bouges quand même parce que... Ah, j'avoue, peut-être que la première bourrasque, c'était pour le SRAM. Ah, c'est vrai. Et c'est possible. En tout cas, on détruit complètement cette égide, hein, évidemment, la désinvo qui fait plaisir. Et on peut sortir de là un petit peu, hein. Ouais. Et s'il avait gardé l'âge d'or, ça aurait été terrible parce qu'il repartait complètement. Et on met l'ébène au passage. Et du coup, la strat cache qui marche pas très bien pour l'instant, hein. Ouais, il peut un peu s'extirper, hein. Ouais, ça déclenche le piège et donc ouais, c'est bien du dégât direct, hein, donc la musette qui partage les dégâts, donc vraiment... Bah, il se passe pas grand-chose, hein, j'ai envie de dire. C'est... Un peu déçu, quoi. C'est bon, ouais, c'est... Voilà, quoi. Bon, en tout cas, Chanol, il est entre les deux, il a que 10 PA, il y a eu un peu de retrait qui a été fait. Il y a une belle zone pour voir, c'est pas la strat de base, mais ça peut être quand même intéressant, je pense qu'il faut, il faut en profiter de cette zone pour voir. Hein. En termes de musette, en plus, tu tapes deux personnes, donc c'est bénef. L'érosion, elle sera quand même importante. Ouais, marque mortuaire avant. Ouais, c'est ça, tu peux voir. Hein. Ouais, t'as pas le choix. Avec même le contre, hein, il serait envoyé des dégâts, mais il en a pas grand chose à faire sur le rempart. Sans érosion. Et le double émeraude qui proc en plus sur le SRAM, c'est parfait. Au début de combat, un peu compliqué, on dirait, côté squad. En tout cas, la strat initiale n'a pas du tout marché, j'ai envie de dire, hein, cette cage. Ouais. Mais en même temps, de l'autre côté, on a esquivé la cage, mais pour autant, on n'a pas non plus fait grand chose. Et il y a la méprise en plus qui va arriver. Donc en vrai, ils ont pas pris de retard non plus, quoi. La strat idéale n'est pas là. C'est ça. Mais bon. Attention quand même à une colère. Hein. Faut pas oublier qu'il y a ça. Là, le Dofu, il va avoir un gros taf à faire sur le Yop. Mais on a du placement qui a été fait de la part de Shippeux. En vrai, c'est très bien vu. Dofu qui va devoir utiliser pas mal de ressources là pour essayer de le choper et de le mettre out. Alors du coup, par contre, il déclenche le triple piège insidieux, hein, donc ça fait quand même des dégâts, hein, ça fait l'équivalent de 1 sur chacun, en fait, hein, ouais. Au final. Mais bon, les deux autres sont érodés, donc mine de rien, Vitamax, on descend un peu. Alors le Yop, il détacle énormément le Feka. A priori. Ok, on va remettre un petit peu de boost là sur son Feka. On compte énormément sur ce Feka Aurore Pourpre, c'est normal. Et on n'a pas la contraction, hein, donc on peut pas virer le Yop. Hein. C'est ça. Ah, il y a Yop qui est fuite quand même, donc oui, il a plus 32 fuites, mais pour autant, il a quand même une bonne base. Hein. Et on a distrib, on a passé quand même avec quelques PA, là, côté Dofo. On n'avait pas grand-chose à faire, je pense, quand même, côté de Dofo. Ok, la puissance, pas de vindicte, du coup, dans ce combat. On met de l'érosion sur le Feka, les dégâts qui sont pas énormes, mais les coups de potence... Oh, les 4% neutres. Oh, ah bah ouais, les 4% neutres qui pardonnent pas directement à Argenté qui se prend une... Patate de cette potence d'Ephedria. Oh. Pardon, il y a même pas de maîtrise d'âme là-dessus. Mais c'est une dinguerie ce qu'il y aura encore. Oh les dégâts. Bon, attention, voilà, va falloir répondre. Hein. Va falloir répondre directement. Bon, non, toujours la musette, hein, malheureusement. Heureusement, elle part là. Hein. Enfin, heureusement pour en tout cas pour Squad. L'aveuglement qui est en zone qui est pas mal, mais qui ne retire pas de PA. On n'a pas de retrait, bien sûr, sur ce mode. Hein. On a décidé un petit peu en face. Un petit peu. Ouais, le problème, c'est que l'Utrof, en plus, il détacle encore. On a 6 PA. Faut ce bouclier FK, faut quand même taper. Hein. Ouais, mais taper, c'est encore pas compliqué avec. Et surtout que là, le prochain tour du Yop, franchement, il fait peur. Hein. Le prochain tour avec la Coco, là. Ouais, la torpeur qui ne suffit pas. L'Unitrof qui peut toujours fuir d'un PM. Après, la colère, en vrai, elle me fait pas trop peur, moi, pour moi. Je pense parce que là, il y a. Imagine, il retraite, là. Alors. C'est dur, la retraite pour Dofo, hein. C'est vrai que il se passe des choses avec cette retraite quand même. Ok, on pêche les zones un petit peu avec les Nutrophes. Faut vraiment se déloger du SRAM. On a 9 PA.
Après, en vrai, la retraite, enfin, un shippeu, il fait pas grand-chose quand même hein, sur son yop. Il menace le... Ah ouais, non, il est En vrai, vraiment en vrai, la retraite, elle est assez passive. Je la trouve pas si bénef parce que l'élytron peut toujours se faire taper. La colère, je vois pas comment elle passe. Parce qu'il y a toujours le gravita, en fait. Toi, quel gravita, c'est... Allez, on fout le tap sur les Nutrof hein, quand même, le double fourvoiement directement. Ouais. Ça répond pas mal, les Nutrof qui a 3200 points de vie, on a pris beaucoup d'héros. Ok. C'est vrai que... Ouais, non, on peut pas... Enfin... Cette retraite, je suis quand même mitigé, tu vois. Ok, on gêne quand même... Non, on gêne... Oui, si on gêne un peu les Nutrof ouais. Du portail. La Kawad qui gêne un petit peu le travail de Dofo. On continue de faire du retrait avec ce Xelor ouais, qui ouais. A énormément de raid. Pas énormément d'esquive aussi là sur le PKL SRAM. On a vu que tout à l'heure c'était bien passé sur Dofo qui a 143 d'esquive. Alors du coup, on commence par Interrup. Est-ce qu'on va juste peut-être chercher à booster le SRAM? Ouais, peut-être. Ok, non, le FK plutôt. Ok. Ok, on a la coco du coup côté Yop, mais on peut pas la mettre. Bah en fait c'est ça, c'est que cette retraite elle empêche la colère de sa propre équipe. Après dans tous les cas le Yop pourrait virer hein, s'il y avait eu la retraite, mais enfin s'il n'y a pas eu la retraite. Donc il n'aurait pas pu la mettre pour autant. Mais, maîtrise d'armes, on peut même pas taper sur le FK. C'est dommage parce que tu prends quand même un petit avantage s'il avait pu mettre des dégâts sur le FK. Ouais. Tu vas juste recaler l'érosion sur le SRAM et tu perds du coup cette colère de Yop, donc la pression de la colère n'existe plus. Et là, il va pouvoir faire pas mal de dégâts, là, ce FK. Hein. Ouais, une trophe qui revient. Est-ce que le FK qui va pouvoir mettre... Est-ce qu'il fout le tour? Est-ce qu'il n'y a pas le rempart, quand même, que tu as envie de relancer à ce moment-là? On est toujours full érodé, hein. Chip, ouais, non, mais clairement. Hein. Il a 56% d'érosion. Ouais. Alors là, il est érodé au maximum. Il est capé comme il faut. Et directement, le coup de croco dur. Le coup de croco, let's go. Plus le proc derrière. Les trophes qui passent à 1500 HP et 2600 max... Squad est super bien dans ce combat. La boîte est outil qui va permettre à Shippeu de faire un gros tour sur son Xelor. Enfin, ouais. Je dis à Shippeu, mais c'est Shippeu qui donne à Shippeu les PA là, actuellement. Mais... mais du coup, Alaxel en plus sur le Yop qui va probablement se faire out, donc c'est très bien vu. Ouais. Mais là, Shannon, il va pouvoir continuer de taper aussi sur les nus. Ouais. Ouais, complètement. Hein. En vrai, du coup, ouais, t'as raison. La retraite, je la trouve pas si folle que ça. Hein. Vraiment pas. Je trouve qu'elle a pas servi à tant que ça, quoi. Ok, on peut se soigner quand même avec le gisement, c'est bénef. On est à 2000 HP. Attention quand même à Siop. Hein. Attention à Siop qui est puissant, qui est maîtrise, hein. Qui est Axel. Alors, il va. Il a tout ce qu'il faut. Il va probablement devoir bon quand même. Si Dofo fait un bon tour sur son édio. C'est juste bon cac, ça suffit. Ouais, en vrai, ça suffit. Regarde actuellement, par exemple, il y a un niveau. Ah, il pourra plus. Oh, bon. Ça c'est OP. Ça c'est OP. Très OP. C'était à faire et c'est très OP. On chipe du coup qui a été boîte à outils encore la part de son Enutrof. Est-ce qu'on a un petit tour sympa à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, directement, on va recaler le cadran. On a la Momif qui est de retour, donc on va pouvoir remettre les pieds un petit peu sur tout le monde. On va pouvoir faire en plus du retrait en zone. C'est gratuit. Il n'y a tellement pas d'esquive en face, et puis de toute façon, on est en croco, donc autant en profiter. Le flou en plus, histoire de donner un maximum. Ouais, et puis on sait que ce tour-là de Yop, ça va être un passe-tour, donc autant lui virer les PA à ce moment-là. On a 4 PA sur Shannon le SRAM, 6 sur Argenté. Ah, c'est tellement efficace, on a 0 esquive en face. Ouais, ce tour est super important. Alors attention, Dofo, là par contre, faut pas le fail. Hein. Si tu laisses le Yop dans le coin, c'est quand même pas bon du tout. Ok, un premier portail qui part dedans, t'en remets un autre, et tu vas contracte derrière. Ouais, avec une convulsion, ça sort bien là. Ouais, c'est pas mal. Ça suffit. Ah. Bah, il peut revenir avec un déferlement sur Dofo, quoi. C'est vrai, tu déferles. Oui, complètement. On a toujours la possibilité de revenir. Le SRAM est érodé, hein. Allez. SRAM est érodé, déferlement. Et bah, c'est pas encore à corps, quoi. Ouais. Bon, c'est très. Oh, un petit coup sur... Un petit coup sur Shannon, là. Oh. Ah ouais, tu vertu, veux Vertu. Vertu, okay. C'est vrai que, en fait, on n'en parle pas assez, mais les Nutrof avec 1200 HP. Ouais, c'est vrai. Donc, vu comme ça, là, c'est peut-être nécessaire, effectivement, de lui mettre un shield. Ouais, même si à 6 PA, ça peut aller très vite. On a le retour du rempart, donc ça, c'est très très big aussi. Le glyph protecteur qui est de retour. C'est vraiment pas mal. J'aime bien ce qui se passe, là. Pendant que tout le monde est paqué, hein, à quoi ça sert de faire des grandes maps quand tout le monde se restreint sur trois cases?
Ouais, ouais. Bon, après, t'as quand même les lieux qui essaient de renvoyer un petit peu du monde visiter la map, mais bon. À part ça, c'est vrai que c'est un beau tas entre le Gravita et la retraite. Ça n'a pas trop bougé depuis quelques tours. L'âge d'or, l'unitrophe qui va pouvoir bouger, lui, qui relance la musette avec son yop, ça va faire le taf. Il va falloir la clean directement. Ok, on y va. On essaie de partir un peu. Ouah, c'est. Là, faut clean musette, je pense. Faut ouais, vraiment ouais, ouais. C'est beaucoup trop fort de la clean façon. Suppose, en plus, comme arnaque, ça peut suffire peut-être. Là, on a un retour flou, donc en vrai, tu vas avoir pas mal de PA. Et surtout, si on s'éparpille un peu, on va éviter de reprendre du retrait en zone comme on a pu voir juste avant sur le VK et le SRAM. Et ça, c'est pas mal. Alors, par contre, attention quand même à ce tour Yop qui arrive, hein, qui sera en retour de flou lui aussi. Même s'il va se faire isoler, le VK est pas si bien non plus. Ouah, se mettre un petit cooldown. Il y a Flamish et. Martenum, ça ne kill pas. Ah, de toute façon, il joue pas Arnak, donc comme on a le. C'est vrai! Le piège insidieux. C'est vrai, c'est vrai! C'est pour ça, c'est. Ah, si, ouais, petit flop dommage. Là, parce qu'il faut vraiment la clean, mais je vois pas le fait qu'à le faire. L'Elio, bon, peut-être que l'Elio a peur les dégâts sur 97, mais le problème c'est qu'il est pas vraiment du bon côté de la map. Ouais. C'est tendu, parce que là, s'il commence à plus pouvoir taper à nouveau parce qu'il y a la musette, en tout cas, plus pouvoir taper efficacement. Ok, on va refaire des TF, on va pouvoir refaire du raid sur le FK, comme on a l'habitude. C'est très bien. Ouais, y a rien de mieux à faire, hein. 8 PA restants sur Argenté. Attention, un rappel quand même, énormément d'enjeux dans ce troisième match entre Grind et Squad. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que l'Elio, du coup, a un tour masterclass? Il peut virer l'Yop, a priori, directement. Ouais. Est-ce que t'as... Pff, non, la musette, tu la clines jamais, là, hein. Ok, là, un là, portail faut... et tu vas soigner peut-être ton FK. C'est que là, même s'il est loin, ouais, je pense qu'il faut le thérapie de fou et parce que. Alors moi, à la place de Chapeau. Mais Ghostram, hein. Ah, je défonce ce SRAM là. Ghostram tous les jours. Je pense que là, je réfléchis jamais. 18% neutre, là, c'est parti. Hein. Attention, ça va être un tout droit directement de la part du Yop. On a en plus la friction, on va pouvoir remettre un petit peu d'érosion avec les pressions. Heureusement qu'on est sous rempart, hein, parce que là, très clairement, ça. Ça pardonne pas, on a en plus les voir qui proc. Une concentration exactement, le coup de potence. Oh, c'est énorme quand même, c'est énorme, plus de 1000 dégâts. Presque décevant, mais il y avait plus la puissance. Ouais, plus la puissance, t'es sous rempart. Il y a 18%, c'est pas les 4% du FK, donc... Ok, ok. Bon, le FK du coup qui se retrouve... ouais... Oh, c'est terrible la musette, hein. Franchement... La musette, elle est tellement protégée là en plus, par le corps du Yop. C'est vrai qu'il peut taper les Nutrophes, mais bon, est-ce qu'il a vraiment envie de faire ça, divisé par deux? Est-ce qu'il a mieux à faire? Je sais pas. Hein. Les Nuts, qui a encore 13% d'érosion. Je rappelle que les Nuts a toujours une corruption, il a toujours des petits sorts sympas à mettre. On va remettre son Égide, ok. Ah, mais après, corrupt qui? Parce que t'as tapé le SRAM, t'as tapé le FK, et t'as pas envie de corrupt, du coup, un potentiel focus qui... en face, donc en vrai, la corrupt Elio, bon, voilà, quoi, elle est gentille, mais... Je ne pas grand chose. C'est sûr. Donc, je suis pas sûr qu'on voit encore une corrupte là. Ok, on va Viva. Petite pelle fanto. On va vite désinguer cette égide. La zone gisement. Ouais. Peut-être la tuer du coup avec des invos. Des invos, ouais. Ouais, ça passe. C'est pas mal. On tape tout corps à corps, mais bon, ça tape suffisamment pour la tuer même en stalac. On a la brume là côté Chanol. Donc, est-ce qu'on peut l'exploiter? Peut-être tuer cette musette du coup au passage. En vrai, la brume peut être intéressante. Ah bah oui, ok, tu vas peut-être tuer la musette. Mais la brume peut être intéressante parce qu'en plus tu peux la mettre dans l'endroit où genre le FK peut renfort, juste comme ça. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Tuer la musette du coup, je suppose. C'est vraiment big. Ok, ouais. On prend quand même un fourvoie, c'est pas mal le fourvoie qui tape un petit coup sur les Nutrophes. C'est bon à prendre. Ouais, c'est ça, et puis le Yop en vrai, tout à l'heure s'est fait taper en zone, il était érodé aussi, donc il a 3007 max, hein, donc il peut peut-être descendre après. Hein. Bon, du coup, mon channel décide de pas continuer dessus, mais sait-on jamais, ça peut venir. Hein. Mm-hmm. Cette brume qui va faire du bien, je pense, à l'équipe de squad. En plus, ce compoteur qui reste dans la brume, je pense que c'est pour laisser le renfort au FK sans qu'il ait à cibler sur le SRAM. Attention, on a toujours une synchro hein, qui continue d'être boostée quand même de la part de Shippe. C'est toujours à noter, elle est à 600%. On déclenche un répu. Ok. Ouais, on va pouvoir refaire un peu de ret. L'horloge, c'est. Pardon. Eh. L'horloge. Il retire un PA avec 6 d'esquive. Effectivement. Ça, c'est...
un peu terrible. Alors du coup, on a vu la fuite du coup qui a échangé de place le Yup avec le double, donc le comploteur en fait est là. C'est bien. Et donc le, c'est pas le SRAM, hein, effectivement la question se posait, mais c'est bien le double qui est l'état téléfrag. Ouais. Ok, on va remettre des portails directement de la part de Dofo. Parce qu'on a un petit tour sympa à faire. On ramène les nus, hein, je pense. La distrib, hein. Et puis bah ouais, c'est parti. Ok, par contre, là, on sait où le SRAM. Ok, on ramène le SRAM, du coup. Donc, la brume qui aura servi un temps. Pas très longtemps, a priori. Pas mal, ouais. Hein. C'est pas mal, parce que là, on a le FK qui va pouvoir jouer, le SRAM qui sera pas très loin. C'est le retour Gravita. On a toujours pas vu de duel, en plus, de la part de Siop. Hein. C'est vrai. Est-ce qu'on va le lâcher là? C'est ouais, dur. Mais tu duelais qui? Bah, le FK. Je pense un tubon et duel. Mon duel FK, ouais. Je pense, hein. Je pense que tu dois, hein. Sinon ouais, les nuits, c'est Gravita en haut, il est trop mal. Hein. Obligé de le faire maintenant, il te reste 2 PA. Tu précises directement de la part de Shippeu. On va remettre une petite pression, une concentre derrière, ok. Ouais, 1800 HP sur ce FK. Tu précises parce que derrière, tu sais que l'héliotrope va t'isoler et vu que tu seras pesanteur, tu pourras a priori pas revenir. Donc autant utiliser tes PA pour là, c'est bien joué. Ouais, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que là, on peut pas vraiment se mettre de... De toute façon, t'es sous duel, donc de toute façon, l'Enutro va pas pouvoir faire énormément de dégâts, mais il va juste taper sur le SRAM, en fait. Ouais, clairement, hein, ils sont pas... les deux équipes sont mal, en fait, hein, parce que l'Enutro fait mal. Tellement even. Mais le SRAM et le FK sont pas bien, même le Yop a pris quelques dégâts. Ok, tu te barricades, donc là, t'es vraiment... Ah ouais. Bah pour... Je sais pas, parce que de toute façon, il débuff bidon avec une pelle fanto. Ouais, c'était pas... Là, l'initiative est terrible, hein, quand même, pour Squad, hein, parce que l'Enu qui joue juste derrière le FK... C'est vrai. Est-ce qu'on verrait pas une petite synchro, mon cher Shax? J'aimerais bien. Je sais pas si c'est le tour, les cas. C'est seulement à 600% pour l'instant. Ok, tu corrupes du coup. Tu corrupes le SRAM, ok. Ah, tu vas quand même peur pour ta vie. Hein. Et pas la boîte à outils qui est de retour. Bah non, pas de synchro, malheureusement. T'as pas un troll s'il a fait péter, on est très pacifiste. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on du mettrait coup, pas juste un peu d'héro là, côté channel? Peut-être essayer de restack des pièges, hein. Ça peut toujours servir peut-être plus tard aussi. Hein. Ouais. On a une méprise potentielle aussi avec le comploteur qui est resté dans cette brume tout en bas. Ouais, on sait qu'il a l'extrémité basse de la brume. Alors tu ne peux pas mépriser le Yop, évidemment, qui est pesanteur. Bien sûr. Méprise le Xelor, je pense que ça n'a pas grand intérêt. Méprise le Mitrof, c'est pas bon non plus. En vrai, genre, à part pour lui-même, hein, peut-être, hein, y retourner. Pour s'escape si jamais, ouais. Bon, ça... Avoir force commune. On n'a plus le temps, en tout cas. Ouais, c'est terrible. Ok, on a quasiment fini le tour. En vrai, on a pu... Enfin, je crois qu'on a les 5 PA, un truc comme ça. Ouais, il restait 5 PA, mais j'avoue que... Qu'est-ce qu'on a fait de ces 5 PA? Mettre un piège insidieux, c'est gratuit quand même. Mais à part ça... bon. Allez, Shippeu, 16 PA, 9 PM. Mais on rappelle, on est pacifiste. De toute façon, c'est un Xelor retrait. On a le retour de la momif. On va pouvoir refaire un peu de retrait. Tout le monde est pesanteur. On replace son cadran. Okay. Bon, Gorette le SRAM, hein, il a ton cac. C'est parti, hein. Ouais, tu arrêtes tout le monde avec ce cadran en plus, tu vas mettre un sablier en plus, qui est partiellement esquivé quand même. Ça me fume parce que le FK qui esquive autant que l'héliotrope qui a 143 d'esquive, c'est dingue. Pas Bref, contraction qui est free là sur le Yop, c'est pas mal pour pouvoir le dégager parce que tu laisses au corps à corps, même si on est barricade, faut faire gaffe. Ouais, clairement, il est très pesanteur, donc il pourra pas revenir. Et à noter qu'en plus, le SRAM, bah, il est dispo, mais vu qu'il est corrupt, bah, c'est pas un problème. Et tu vas ramener du coup les Nutrof a priori. Hein. Tu remets un portail, tu thérapies. Ouais, je pense. Ouais, ça c'est très bien joué. Ouais, les Nutrof qui revient à dispo pour le FK, le Yop qui cette fois-ci n'a rien pour l'empêcher. Oh, le Yop, t'as à dispo un SRAM à vue et un FK à vue mêlée. Ouais, c'est un peu terrible ça. On a plus le duel, on peut pas mettre de Vita, on peut pas mettre de Vertu quelque part. On va avoir un gros tour là du FK. Beaucoup de crocobures qui peut passer. On a un Ivoire dans 4 attaques, donc on peut faire quand même des dégâts sympas. Tu relances pas ta colère là? Non, t'y vas quand même. Ok, tu puissance. Ouais. Tu te remets dans le tas au moins, quoi. Tu forces à te revirer. C'est complètement. C'est ça. Et tu tacles pas le FK, pardon. 10 PA directement de la part d'Argenté qui va se rendre au corps à corps de Ship qui n'a plus que 1600 points de vie. Ouais. Un Ivoire dans 4 attaques. T'as donné un PA au FK quand même, je sais pas si c'est ce que tu voulais. Okay, mais après, remarque, si ça coûte croco, on s'en fout du PA supplémentaire. J'avoue.
Eh oui. Oh, oh, c'est le kill? C'est le kill? Non, c'est attends. Avec la croco, ça passe? Non, je pense pas, si, non. Avec... Si. Sur l'ivoire? Sur l'ivoire? Même si t'as le Glyphlemi? Je pense pas, hein. Ah, je pense pas, hein. 25 HP, le petit chip, là. 25 HP, ça ne suffit pas. C'est pas grand chose, et est-ce qu'il peut se sauver du SRAM là, par contre? Bah non, bah non. Je vois pas trop comment, c'est... pas encore la musette. Il doit mettre l'âge d'or. T'as 7 PA, t'as la musette là? Tu l'as pas, hein? Je crois pas, non, t'as une balle à la limite et c'est tout, hein. T'as même pas le... T'as même pas de... Okay, du coup, c'est... tu fais une mine... T'essayes de faire un full tour là directement. En fait, t'essayes de trade avec peut-être une synchro de la part du Xelor? De toute façon, même la musette, ça servait pas à grand chose. Moi, il se serait soigné avec, mais bon. Il s'est quand même soigné avec, avec le gisement. Le SRAM qui n'est pas taclé. T'as peut-être un kill synchro, hein. Ah, tu crois? En vrai, c'est la porte de sortie, hein. S'il a full tour de Fekka, je pense que c'est ça. C'est vrai que Fekka a 1300 HP, hein. Oh, la zone en plus? Non. Ah, pas comme ça, Zinedine. Non. Non. Voilà. Attention, shippeux. Là, c'est le moment. C'est le moment de briller, mon grand. C'est le moment. Après, en vrai, elle kill pas. Qu'il pas, mais le problème c'est que derrière les Lio, il a tellement un énorme tour à faire à devoir virer Liop plus soigner. C'est ça, mais surtout que derrière, ouais. J'avoue, t'as Liop derrière, hein. Allez, attention, directement. Ok, ça synchro ça. Ouais, bah oui, ça met directement la Kawat. Attention, on va pouvoir faire une frigélure en plus sur une très belle zone directement. Ah, 5 kills, 5 kills, 5 kills, 5 kills, 5 kills directement. Et le 2v2, il me semble tellement bon pour Shippeu. Mais t'as vu le SRAM? Mais il est finito le SRAM! 1800 points de vie! Et oui! Et là, le Yop qui va sortir de pesanteur, donc il pourra bondir pour revenir. Oh là là. Le réseau de portail qui est vraiment pas du tout développé là! Ah ouais, qui ouais, 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 ouais! Le padré! Qui nous régale! Je sais pas à combien ce kill passe, mais il doit pas être très large, hein. Ouais, non, je pense pas. Ok, tu vas essayer de faire un peu de placement sur le SRAM. Oh, mais le portail, c'était. Oh! Oh, c'est finito. Ah. Oh, c'est finito, là. Ah. Oh, c'est finito. Ok, tu le prends quand même, mais tu t'appuies pas trop à travers. Ouais. Mais ouais, le coup de temps directement. Le coup de temps, ça va précis. Tu kills. Oui, précis directement. Et ça va terminer. Ouais, Shannon. Ouais, je sais pas. Ivoire dans deux. Je pense pas. Non, non, ça kill pas. Ah, ça kill. Ça kill. Ça kill. Ah, ça kill. Ça kill. Ça kill. Bon, dans ce cas, Shadow qui tombe sous les coups de Shippeu et let's go. Et Grind qui s'envole directement. Oh. Ouais, ouais, Grind qui assume son statut de seed 1, même terminé. S'ils sont dans le zone bracket, ils continuent l'aventure. Et donc Grind qui passe en 2-1 face à la squad.